Salut les amis, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la deuxième partie du passage du permis moto, le gros cube. Aujourd'hui, on se retrouve directement pour la circulation, les amis. On va le passer au guidon de la moto école. On se retrouve directement pour la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Petite vue en GoPro. Le premier épisode vous a extrêmement plu sur le passage du plateau. N'hésitez pas à aller le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Je tiens à vous remercier pour vos retours sur les vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On se dit qu'à 2500 pouces bleus, on reposte un nouvel épisode du passage du permis moto. N'hésitez pas, les amis, à vous abonner. On est bientôt 200 000 abonnés, et pour ceux qui sont impatients pour le concours pour gagner la nouvelle moto, qui est une motocross, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, il est juste ici parce que c'est sur Instagram que je donnerai toutes les informations pour le lancement du concours. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, à regarder toute la description et à mettre votre plus gros commentaire. N'hésitez pas à me dire en combien de temps vous l'avez passé, si vous l'avez eu ou si vous êtes en train de le passer, ça fait combien de temps. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, c'était Léo, n'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire sur le pilotage. Ciao. Je sais pas du tout. Salut les amis, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve, bon vous l'avez vu à l'intro, on est directement sur la Yamaha MT-07 de l'école. C'est ma dernière leçon de conduite. Bon, j'ai décidé de vous prendre pour celle-là quand même, pour qu'on voie un peu comment ça se passe. Les amis, je vous prends une petite minute pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui est autre que Car Vertical, les amis. Car Vertical, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de vérifier votre voiture ou votre moto. Je vous mets l'application juste ici. Grâce à votre numéro de châssis ou votre plaque d'immatriculation, vous allez pouvoir vérifier si votre véhicule a été volé. En l'occurrence, aujourd'hui, on passe le véhicule d'un abonné, sa Mégane 4RS. Grâce à son immatriculation, on va voir que le véhicule n'a pas été volé, tout simplement. Qu'il y a un relevé kilométrique qui est plutôt sain, sauf une baisse du kilométrage sur la fin qui passe de 46 000 à 44 000. Je pense que c'est une erreur de saisie. Du moins faut l'espérer. Ça va te permettre de vérifier aussi le statut juridique de ton véhicule, s'il n'a pas été volé ou gagé, si le véhicule n'a pas servi de taxi, de voiture de location. Si le véhicule a été importé, tu vas le voir dans la chronologie tout simplement du véhicule. Là tu vois directement sur la courbe kilométrique qu'il y a plein de données sur le kilométrage. Donc voilà, si tu souhaites passer ton véhicule, donc que tu peux passer ta moto ou ta voiture tout simplement grâce à ton immatriculation, c'est en description avec le code Léonade. Profites-en, et si jamais ton rapport n'est pas complet, tu peux demander à Car Vertical de te fournir un nouveau rapport. Allez, on y va. J'ai mis le blouson, c'est parti. Sinon moi j'ai envie de vous dire là, tant qu'il reste un peu, parce que là ça fait longtemps qu'on tourne, tant qu'il reste de la batterie à la GoPro, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo circulation en MT-07 auto-école. Bah moto-école du coup, vous voyez dans le rétroviseur il y a une personne qui le fait avec moi, et derrière il y a la voiture moto-école. Qu'est-ce que je peux vous dire les amis, on est à J-48h du passage du permis. Dernière leçon avant le permis. Je vous avoue que je suis stressé, de toute façon je vous ferai un débrief. Ça se trouve, je vais pas avoir le permis, j'aurais trop le seum. Ça fait plus d'un mois et demi que j'ai pas roulé. On va voir comment ça se passe. Je sais pas si on va entendre ce qu'on me dit dans l'oreille. Je pense pas. Ce qui est chiant, c'est qu'avec la GoPro, je peux pas trop bouger la tête. Bon, ça va, pour l'examen, j'aurai pas la GoPro, mais j'aurai l'intercom, vous inquiétez pas. Tout sera filmé, même l'examen, les amis. Vous allez avoir une preuve, enfin une preuve, entre guillemets, un avant-goût d'un peu tout ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai sorti le cuir, hein. Première fois en cuir. Hein. On verra bien comment ça se passe. En vrai, faut le temps que le cuir se fasse, mais fou, on est tendu hein, pour la première fois dans le cuir. Hein. Je sais pas si on m'entend. Oh, l'entrée d'autoroute, ça va être drôle avec la visière ouverte. Depuis le temps que je l'attends, ce permis moto. Ah oui, faut respecter la limitation et tout. Hein. C'est la dernière leçon avant l'examen, ça fait un mois que j'ai pas roulé. Ça va être drôle, la leçon. En vrai, c'est pas le fait de rouler, mais c'est le fait de pas oublier les contrôles, les clignotants, sachant que sur une MT, c'est galère. Je pense que j'ai coupé le convoi, là. Et là, on va partir sur l'autoroute avec la visière ouverte, c'est là qu'on va rigoler. Allez, là on y va. Voilà, on est bien. Avec la GoPro, ça cache le compteur, on sait pas combien on est. Une MT sur l'autoroute, c'est toujours drôle. Hein. J'espère l'avoir du premier coup, hein. Ça serait vraiment dommage parce que là, à mon avis, pour repasser après, ça serait compliqué. Ah, sinon, je parle pas trop beaucoup, hein, les amis. Hein. Mais sinon, pour vous dire, j'avais déjà fait une circulation une fois. Et du coup, là, une encore avant le permis. Là, entre deux, en fait, à chaque fois pour aller au plateau, il y avait de la mini-circu. Ça qui était bien. Donc, on faisait les deux, en fait, dans une leçon. Ça, c'était incroyable. De faire circu-plateau en même temps, au moins, t'as pas trop marre du plateau. Cet objectif, c'est de poser le genou sur ce virage cet été. Comme c'est la route que je prends pour aller au boulot, si on pose le genou ici, on posera le genou à chaque fois pour aller au boulot. Petite voie de gauche. Hop, allez, hop, 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 hop.
en face, au rond-point, en face. Petit centre d'examen. J'ai toutes les consignes dans l'oreille. Moi j'ai passé ici mon plateau sur ce parking. En vrai je suis venu 10 minutes plateau et hop, c'était déjà fini. En vrai c'est une bonne piste quand même. Ok. En vrai ça va être agréable avec le soleil. Faut vraiment être concentré à 100%. En fait comme j'avais pas la... comme je savais pas où on sortait dans le rond-point, je savais pas à combien de mètres, tu vois. Hop, petite quatrième, petite troisième, hop, hop. Là mon avion va tout droit. Petite sortie de rond-point. Oh c'est bien, moi je connais pas du tout. Ouais, salut les cousins, salut les cousins. Ça avance déjà plus vite que la 50 hein. Pour l'instant il n'y a pas encore eu de ville, donc pas trop de priorité à droite, tout ça. Moi je parle pas, j'essaie de rester concentré hein. Zone 30, zone 30. Là il va y avoir des priorités à mon avis. Ce qui est même sûr. Là, il va falloir ouvrir les yeux. Ta zone 30, je suis à 37, vas-y c'est trop dur. C'est plus dur qu'en voiture à la vitesse. T'as vu c'est quoi ça? Hein? Ça doit être que des priorités hein. Hop, 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 hop. Tu fais comme ça. Je sais pas du tout si c'est des priorités à droite. Peut-être. Priorité ça? Non, c'est pas une priorité ça. Les amis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur le permis. J'en ai quelques-unes en stock qui peuvent être sorties. Ça y a pas de souci, vous me demandez, moi je vous le sors. Hein. Moi je parle pas trop, je reste concentré. C'est pour ça que la vidéo risque pas d'être ennuyante, mais je vais dire sans trop de paroles. Alors, hop, nous avons personne, vous pouvez y aller. Et nous sommes déjà à 30. Oh, et dire que si j'ai ce permis, allez, dans une semaine, je pourrais filmer. Là, t'imagines celui qui fait un tout droit. Oh, je canne pour lui, le pauvre. Celui qui se fait avoir par le sens interdit. Oh, t'imagines. Attends, je dis ça. Je vais être tellement stressé lundi que je fais le sens interdit. Alors là, nous avons le stop. Le stop, on se positionne sur le côté gauche du stop. Petit freinage. Hop, freinage contrôlé, pas de maîtrise, pas de peur. Hop, nous pouvons y aller. Hop, à gauche. Tout dans la sécurité, faut se dire que même si on roule pas vite, tant que nous sommes dans la sécurité... Putain, j'ai pas vu si c'était une priorité à droite, ça. Ce truc. Je roule comme un papy. Donc si jamais pour le permis, les amis, vous avez besoin d'heures de plateau, d'heures de circulation, combien, je sais pas. Il me semble que c'est 7 et 12, un truc comme ça. Mais je saurais pas du tout vous dire. Mais du coup, je vous montre à quoi ressemble une circulation. Donc vous avez le moniteur dans l'oreille. Enfin, le moniteur. Vous avez l'oreillette, quoi. C'est comme pour le BSR, ceux qui ont passé le BSR. Mais du coup, sur un gros cube. Et encore, c'est pas un gros, c'est 47,5. C'est un bébé cube. Un cube en cours d'apprentissage. Tu vas où, toi? Tu vas où? Non, tu vas pas. Hop, tu vas pas. Nous allons où? Tout droit? Tout droit? Tout droit? Je sais pas du tout, tout droit. Quand on dit rien, c'est tout droit. Hop, nous y sommes déjà. On peut accélérer que sur des coups instants. Hein. Attends, regarde, hop, bien montré qu'on l'a vu. Petit panneau 50. Bon, si pour l'instant la route d'examen c'est ça, attends, et pour qui le stop pour les vélos ouais. On va pas s'arrêter là. Ah ouais, on revient ici, ah d'accord. C'est le lin, c'est le lin. C'est le lin. C'est le lin. C'est le lin. Bah. Bah en vrai, ça manque quand même d'un régulateur hein, pour une moto à 8000 euros. Ça manque quand même d'un petit régulateur. La, li, la, la. Ah ouais, petite campagne comme ça, commence à faire plaisir là les vidéos MT. Faut tellement longtemps que je les attends. On va faire tout le sujet de la MT, même si vous la connaissez déjà, je pense, beaucoup. C'est quoi sa voiture garée sur le côté, t'imagines? C'est la banaliser. Arrestation avec l'auto-école, 2 millions de vues. Risque de verglas. Ah ouais, d'accord. C'était le camping 3 étoiles. Vous pouvez y venir toute l'année. Donc les amis, après je vous ferai une vidéo quand j'aurai ma moto détaillée sur le permis. Tu vois, là on parle pas trop, on se concentre, tu vois, tu connais. Mais ça change, hein. Attends, c'est 50 quand? Sortie de camion. 50. C'est bon, j'y suis. Ils sortent d'où tes camions? Là, c'est 50 là? Ça, c'est un truc, j'oublie de ralentir. Ah ouais, d'accord, ouais, elle a bougé, ouais. Là, c'est 50 ça? Ouais, ouais. Ah bah là, génial. Ah bah là, génial. Oh, super. Ça, je suis pas trop chaud, il fait bon. La moto, elle tire un petit peu la gueule. Ah ouais, faut que je vous montre après son kilométrage. Ça, je m'en souviens plus, je crois 40 000. Un truc comme ça. Ou 80 000, 70 000, je sais plus. Elle est bornée à mort.
Ah, c'est un plaisir de faire un petit peu de bécane là, ça fait ouais plus d'un mois que j'ai pas roulé. En tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va fêter les 200 000, je pense que 200 000 abonnés change direct de moto. Je garde la MT, mais petit projet super mode pour cet été, ça serait... j'ai dans le coin de la tête, tu vois. Malgré que ça soit super cher. Petit garage, toute assurance, rachat de franchise. Bon, elles sont toutes les priorités à droite, toutes les erreurs possibles là. Oh, attends, tu vas pas me dire que ça en est une ça. Ah non, ça en est déjà pas. Oh, yeah. C'est un sens unique. Elles sont toutes les erreurs, enfin toutes les... Tous les pièges, petit monument historique, fait une petite visite historique en même temps. Nan. Après le plus chiant c'est le placement, tu vois. Après, ça sera à l'examinateur de juger. Hein. Si c'est ça, je vais pas avoir le permis, je vais repartir en 50. Telle est ma destinée, alors que ça fait X temps que j'ai la moto dans le garage, je vous dirai pas ce que c'est. Vous êtes bêtes ou quoi? Ils ont cédé le passage, nous avons pas de soucis particuliers. Je sais pas du tout ça, je pense que ça va être genre un truc comme 15-30 minutes, 15-20 minutes l'examen. De toute façon, je vous dirai, je suis tout seul à passer, j'ai eu la news. Je suis tout seul à passer, donc on vient, je passe, je rentre. Tu vois, je l'ai pas, j'ai la queue entre les jambes. Je l'ai, bah, j'ai plus la queue. Je serai content, tu vois. Zone 30, hop, nous sommes à 50. Nous avons accéléré un petit peu, nous avons remonté le régime moteur. Oh oui, hein. Il y en a, ils se font plaisir, hein. De belles maisons, hein. Ah oui, hein. Nous sommes à la zone 30. Nous allons ralentir, c'est 30. Au panneau, 30. Voilà, autant je fais le permis vélo aussi. Hein. Oh, voilà, dégaine. Passe le permis moto, frérot, t'auras une meilleure dégaine déjà. Et ensuite, nous allons vers la droite. Hop, vers la droite. Oula, je le sens, va pouvoir titiller la bécane. Ah non, 50. Oh, comment j'ai trop le seum. Tu vois, tu fais hop, 50, c'est bon. Nous y sommes. Petite campagne, sympathique. Oh putain, t'imagines là? Oh, je t'y fais un local pour faire des vidéos, toi. Ah là là. Ça va être très dur de garder le permis moto. Hein. Enfin, le permis tout court. Ouais, c'est le permis qu'il faut garder. Ça, c'est, t'imagines, s'il y avait un permis séparé pour la moto et la voiture. T'as 12 points sur chacun. Tu crames tous tes points en moto, bah, c'est pas grave. Hein. Je suis jamais venu ici, je connais pas du tout les biquettes. C'est un mélange de campagne et de ville. Ouais, il y a le camping. C'est l'autre MT de la, je sais pas, de la moto-école, si vous la voyez. Comment elle marche bien. Elle marche de ouf. Tu as ça, une petite route là. Oh, ça sentait les frites maison, ça. Ah, l'odeur, elle est trop bonne. Allez, dis-moi que je peux tartiner, là. Fin de zone 30, ça passe à combien, là? 50? Plus? Oh, je sais pas. Oh, moi ça, je sais pas. Hein. Faut tout le temps rouler avec Waze. Hein. Non, là, c'est plus. Hein. Hop, comme ça. Ouais, wallbiker. Ouais, wallbiker. Oh, là, c'est bon, c'est plus 50, là. Oh, t'imagines si la com au plateau, c'est qu'ils ont passé le plateau. Vous savez, le petit truc où il te flash à l'évitement, tout ça, pour avoir ta vitesse. S'il l'a sur ça, pour te dire, oh, il roule trop vite, oh, il roule trop lentement. Trop lentement, je pense, il va pas le dire, c'est vraiment si t'abuses. Mais trop vite, je pense, il te défonce direct. Ah oui, beau gosse avec le cuir, hein. Oh oui, hein. Full black, et vous allez voir pourquoi. Je sais pas quand sort cette vidéo, du coup, je sais pas si j'aurais dévoilé la R7. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pris full black. Oh, la ville, comment c'est traître. Il y a toujours une qui est passable et une qui est horrible. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, les mecs. Oh, regarde, juste à l'ombre. Non. Je mets comme ça, je suis à l'ombre. Est-ce que si on fait ça, on se fait éliminer? Pour moi, non. Est-ce que si on le fait, on est éliminé? Pour moi, on passe, donc non. Après, la voiture de auto-école, elle passe pas, tu vois. En plus, ça se rapproche de l'été, faut vraiment l'avoir maintenant. Si je l'ai pas maintenant, c'est fini. Oh, comment ça va faire du bien là quand il va faire chaud. Je vais donner un petit billet à l'examinateur, je vais dire hey, S'il te plaît, poteau. Qu'est-ce qu'elle fait la voiture? Oh, super, on voit rien. C'est génial. Heureusement qu'ils ont un stop. Hein. Mais là, ouais, là, elle est bien. Elle est nickel. Et c'est dingue, je parlais du coup avec celui qui passe en même temps que moi. Et lui aussi prend une... Ah oui, non, je... Ah, comment j'ai failli m'avoir. Lui aussi prend une MT-07. Je dis, ça c'est dingue, moi j'hésitais aussi à prendre une MT-07, quoi. Ah, franchement, vous allez voir ce que j'ai pris. Oh là là. En plus, je vous ai feinté. Et je sais, les amis, ça a été super long. Enfin, je dis ça, ça se trouve, j'ai pas le permis. Ça va encore rajouter 6 mois de délai, tu vois. Parce qu'en fait, si vous voulez, je peux pas sortir la R7 de la concession tant que j'ai pas le permis. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça fait 6 mois. Elle m'attend. Elle m'attend sagement. Qu'on vienne lui roder le moteur. Oh, dis-moi, on peut rouler à 300. Là, c'est encore marqué zone 30. Pourquoi? Eh, c'est bon, dès qu'on a sorti de la ville, je vais vous montrer un fond de 3 ce que ça donne. Ah ouais, c'est 70. Oh. En vrai, ça marche quand même, et c'est pas celle qui marche le plus. Celle qui marche le plus, c'est l'autre qui l'a. Oh putain, je vais me faire défoncer. Ça roule, hein. Petite route de campagne, tout ça, là. Agréable, hein. Tu repasses là, quand t'as ton permis, t'es solo, t'es pas à 70, hein. On adore mettre un petit bout de scotch. Moi, je voulais pas en mettre, on m'a dit, ouais, si t'en mets pas un, tu peux te faire démolir. Putain, comme on a l'impression, on change de région, là, carrément.
les petites vaches, tout ça, sympathique hein. Sympathique de passer le permis moto, franchement, quand il fait beau. Bon, par contre, du coup, il y a de l'attente, tout ça, mais en vrai, c'est sympa. Ah oui, il faut rouler en quinconce. Bon, j'ai la flemme de rouler à droite, je vais me foutre dans le fossé. Là, j'y mets un pied là-dedans, dans les fougères, là. Si je vais pas y rester bloqué. T'as, c'est dingue, on passe campagne. Il y a 2 minutes, on était ville, Lille. Et là, on passe pleine campagne. Tu passes là que l'examinateur, c'est limite l'examinateur qui dit vas-y, gaz en grand. Hein. Soude la poignée, poteau. Ouh, toutes vos daronnes là, toutes rassemblées là, réunion tupperware. Eh, passez trop votre permis moto, les amis. Commencez le kiff de passer son permis moto maintenant. T'es prêt, la courbe, la courbe. Hop, la courbe, hop, tu ralentis un petit peu là. Tu viens bien la prendre et tu regazes de dingue. En vrai, là, ça fait du bien de rouler comme ça là. Dans des petites routes comme ça, ça fait du bien. Bon, en vrai, passer sur une MT, c'est soit passer sur une CB. En ce moment, c'est beaucoup les moto-écoles, elles ont des CB ou des MT. Sinon, après, t'as pas trop d'autres motos. Hein. Et en vrai, vu comment c'est léger, je vous ferai une vidéo dédiée sur le plateau. J'ai filmé le plateau, les amis. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser, mais j'ai plein de plans à vous montrer. J'ai tout filmé pour essayer de vous montrer au mieux. Je suis gêné. Et là, droite ou gauche? Droite ou gauche? Droite ou gauche? Je sais pas du tout. À droite. Et eh oui, hein, à droite. Oh putain. Fonde 1. Fonde 2. On a soudé un poignet à tous les rapports, hein, moi je te le dis. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit.